Bonjour à vous tous. Donc mon nom est Ahmed Chebbak. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Je suis également le directeur du Green Tech Institute. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire pour vous présenter avec notre équipe les programmes des masters, Master Esma et TIUF, qu'on donne au sein de GTI, du Green Tech Institute. Donc pour le déroulement de ce webinaire, je vais présenter premièrement les activités du Green Tech Institute, notamment nos programmes de formation et de recherche. Par la suite, il y a la présentation des masters. Donc, je vais présenter le master ESMA, suivi du témoignage d'un étudiant et d'un lauréat. Et par la suite, il y aura la présentation du master TIUF, qui va être fait par le professeur Khalid Kuis, qui est le responsable pédagogique de ce master, suivi d'un témoignage ou de deux témoignages de deux étudiantes, donc une étudiante qui suit le master M1 et lauréate de son master. Donc le Green Tech Institute, en fait, c'est un établissement qui a été créé en collaboration avec le Green Energy Park et qui est dédié essentiellement à la formation, la recherche appliquée et l'innovation dans différents domaines, donc notamment les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, les procédés verts et tout ce qui est technologie avancée comme l'automatisation, la robotisation, la digitalisation industrielle et l'industrie 4.0. Donc, côté formation, le Green Tech Institute vise essentiellement à former une main-d'œuvre spécialisée et qualifiée dont le Maroc et l'Afrique ont besoin dans ces différents domaines, donc des domaines qui couvrent, comme j'ai dit, énergie renouvelable, smart grid, procédés verts et technologies avancées. Donc, digitalisation industrielle et industrie 4.0. Il vise aussi à perfectionner les talents de ses étudiants et développer leur savoir, leur savoir-faire, mais aussi développer toutes leurs compétences, que ce soit des compétences techniques, scientifiques, managériales ou transversales, ce qu'on appelle les soft skills, comme la communication, la gestion de projet et l'entrepreneuriat. Donc, côté formation, donc côté recherche, le Green Tech Institute vise aussi à développer des recherches appliquées innovantes, donc afin de répondre aux besoins du Maroc et de l'Afrique en matière de recherche et développement, mais aussi pour relever les différents défis dont font face le Maroc et l'Afrique dans ces domaines. Donc, les activités du GTI s'inscrivent, comme j'ai dit, au niveau de la formation et la recherche appliquée. Donc, au niveau de la formation initiale, on a quatre programmes. Donc, on a deux licences professionnelles, une première licence OID, opération industrielle et digitalisation, et licence GPID, génie des procédés industriels et digitalisation. Donc, on a aussi deux masters, Master Resma, donc qui va porter sur les énergies renouvelables et les réseaux intelligents, et Master TIUF, qui porte sur les technologies industrielles de l'usine du futur. Donc, ces deux masters vont être présentés aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, on donne aussi des formations continues. Donc, on donne un master exécutif qui s'appelle Usine Digitale, qui est une version réduite de Master TIUF, donc qui est destinée beaucoup plus aux professionnels, donc et les ingénieurs qui travaillent dans les différentes entreprises industrielles. Donc, on donne aussi des formations continues, donc des formations en énergie renouvelable, en gestion de l'énergie, en digitalisation industrielle ou en génie des procédés, etc. Donc, nous donnons aussi des études doctorales dans le cadre du cycle doctoral de l'UMCSP. Donc, on a quelques doctorants qui travaillent sur différentes thématiques de recherche au sein du GTI. Donc, au niveau de la recherche appliquée, donc on travaille sur trois gros domaines que vous pouvez voir ici. Donc, le premier domaine il porte sur tout ce qui est énergie renouvelable, réseau intelligent et véhicules électriques. Donc, dans ce domaine, on s'intéresse à tout ce qui est études, conception, optimisation des systèmes d'énergie renouvelable et leur intégration au niveau de réseaux électriques. On s'intéresse aussi à l'étude et à l'optimisation des réseaux intelligents, notamment aussi le monitoring et la prédiction intelligente de l'énergie dans les réseaux électriques. Nous s'intéressons aussi à tout ce qui est développement, conception et optimisation des systèmes de traction des véhicules électriques et hybrides. Et on travaille aussi sur tout ce qui est système d'électropuissance, donc les systèmes des systèmes qui sont généralement utilisés au niveau des systèmes d'énergie renouvelable et des véhicules électriques.
Donc, deuxième gros domaine, donc, porte sur tout ce qui est digitalisation et industrie 4.0. Donc, dans ce domaine, donc, on a différents sujets comme la maintenance prédictive, l'automatisation avancée, la robotique, la digitalisation industrielle et tout ce qui est développement de digital twin, que ce soit pour des chaînes de production manufacturière ou pour des centrales électriques ou autres. Donc, troisième gros domaine, donc, porte sur tout ce qui est génie des procédés verts. Donc, là, on s'intéresse à tout ce qui est valorisation de la biomasse, le stockage de l'énergie thermique et aussi les procédés industriels verts et le contrôle de ces procédés. Donc, pour mener à bien ces activités de formation et de recherche appliquée, donc on compte sur tout un réseau de partenaires qu'on a et avec lesquels on travaille en étroite collaboration, donc notamment le groupe OCP, hein, qui est l'incubateur de notre université. Il y a aussi le Green Energy Park, il y a aussi les RESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie et en énergie nouvelle, l'École polytechnique de Paris qui participe avec nous au niveau de Master RESMA et l'École SEGMA, donc l'ingénieur SEGMA Clermont-Ferrand qui participe avec nous au niveau du Master TUF. Donc aussi, on a des partenaires avec d'autres universités étrangères, de l'étranger, mais aussi des universités du Maroc et des écoles d'ingénieurs du Maroc. Et on a aussi d'autres partenaires industriels, différents partenaires industriels, notamment on a Siemens, des partenaires avec Siemens, Schneider, Yazaki, etc. Donc ici, vous voyez un petit peu le schéma de nos différents programmes. Donc comme j'ai dit, on a deux licences professionnelles, une première licence OID, opération industrielle et digitalisation, et une deuxième licence GPID, génie des procédés industriels et digitalisation. Donc le but de ces deux licences, c'est de former des middle managers multidisciplinaires en tout ce qui est opération industrielle, comme l'automatisation, le pilotage industriel, la maintenance industrielle, etc. Et aussi dans la conduite et le contrôle des procédés industriels. Donc en ajoutant une couche de digitalisation qu'on voyait au niveau de ces deux licences. Donc, on a aussi les deux masters, Master TIOF et Master ESMA, qu'on va expliquer tout à l'heure, qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, moi, je vais présenter le Master ESMA et mon collègue Khalid Kuis qui va présenter le Master TIOF. Donc, le Master TIOF qui porte sur tout ce qui est enseignement, des concepts en lien avec l'industrie 4.0. Donc, le modèle, d'enseignement qui est adopté au JTI est un modèle qui est unique, innovant, et qui est basé sur trois choses. Donc, on a la première, c'est l'expérimentation, bien sûr, le learning by doing et le développement des soft skills. Donc, l'expérimentation passe premièrement à travers différentes salles de TP et ateliers qu'on a au sein du JTI, donc comme des salles d'automatisation que vous voyez ici. On a aussi des salles d'électronique, d'électrotechnique, des salles de thermodynamique, de mécanique fluide, etc. Et ça passe aussi à travers ce qu'on appelle, cette expérimentation passe à travers aussi ce qu'on appelle les Living Labs. Donc, c'est des laboratoires vivants. Donc, en fait, c'est des plateformes à échelle réelle qui sont utilisées à la fois par les chercheurs pour valider leurs recherches ou leurs résultats de recherche, mais aussi par les étudiants pour faire leur TP, des travaux pratiques, mais aussi pour pratiquer leur apprentissage. Donc, on peut dire que ces Living Labs, ils permettent en fait de mettre en pratique les connaissances des étudiants sur le terrain, directement sur le terrain. Donc, on a quelques exemples de Level Lab qu'on peut voir ici. Donc, on a le Green Energy Park. En fait, c'est une plateforme à échelle réelle pour tester différentes technologies de production d'énergie solaire, que ce soit à travers la voie photovoltaïque ou thermique. On a aussi la mine expérimentale de Bingrir. On a aussi le Chemical Hub de Safi et d'autres Level Labs comme le Data Center de l'M6P, le Digital Lab, le Fab Lab et la Ville Verte aussi qui est, qu'on peut considérer comme un Level Lab où on peut tester différentes technologies, soit des technologies vertes ou des technologies de digitalisation ou autres. Donc, on a aussi, deuxième point, on a dit c'est le Learning by Doing. En fait, le Learning by Doing, c'est l'acquisition des connaissances à travers des cas pratiques, mais aussi à travers la réalisation des projets
pratiques qui sont issues des problématiques industrielles comme celles qui sont posées par notre partenaire OCP ou par d'autres partenaires industriels avec lesquels on travaille. Donc, pour résumer, je peux dire que l'enseignement qui est adopté au sein du JT, c'est un enseignement de proximité, un enseignement qui est bien encadré et qui est basé sur l'excellence et l'aspect pratique des connaissances. Donc, l'enseignement au JT se base aussi sur ce qu'on appelle le développement des soft skills. Donc, cela passe soit à travers des activités et des modules qu'on donne au sein de différents programmes, notamment des modules de communication, de langue, de gestion de projet et d'entrepreneuriat, mais aussi à travers différents ateliers qu'on réalise à nos étudiants, donc comme des ateliers de théâtre ou de robotique ou des ateliers qui sont effectués dans le cadre des projets parascolaires ou dans le cadre des clubs qui sont créés au sein du JT. Donc, le profil d'un lauréat JT ou IMCSP qu'on veut avoir à la fin du parcours, donc on cherche à former ou avoir des gens qui sont experts dans leur domaine, donc c'est-à-dire qui ont une certaine expertise technique opérationnelle, des gens qui ont une certaine connaissance de soi, ça veut dire qu'ils sont capables de reconnaître leurs forces et les exploiter, mais aussi reconnaître leurs faiblesses et travailler pour les corriger et les dépasser. Des gens qui ont une certaine intelligence collective, mais aussi un certain esprit d'innovation, de créativité et d'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de mettre en place leurs idées d'entrepreneuriat et pourquoi pas démarrer des startups. Il y a tout un écosystème à l'IOM6P qui est mis au profit des étudiants qui veulent développer des idées d'entrepreneuriat et démarrer aussi des startups. Donc, on essaie aussi de former des étudiants ou des lauréats qui ont un certain esprit critique. Ça veut dire qu'ils sont capables d'analyser l'information, d'analyser aussi les situations, trier les différentes informations et mais prendre aussi les bonnes décisions. Donc, des gens aussi qui ont un certain sens du bien commun. Ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à contribuer avec leur temps, leurs connaissances et leurs compétences pour donner à la communauté. Des gens qui communiquent bien, ça veut dire qu'ils maîtrisent très bien les langues et communiquent très bien avec le public, et aussi qui ont une certaine autonomie d'apprentissage. Donc, on passe maintenant aux présentations des masters, Master Tiouf et Master Enor. Donc, on commence par le premier master, Master Resma. Donc, comme vous pouvez le voir depuis son nom en anglais, donc c'est Electrical Engineering for Renewable Energy and Smart Grid. Et en français, c'est ingénierie électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Donc, ce master a été fondé en 2019. Donc, actuellement, donc on est en train de recruter la cinquième promotion. Et ce master, il est donné par tout un corps professoral qui est composé à la fois par des professeurs issus de l'IM6P, mais aussi des différentes écoles d'ingénieurs du Maroc, mais aussi des écoles de l'étranger, comme l'école polytechnique de Paris, et aussi par des professionnels experts comme EDF. Donc, on a un professeur qui vient de EDF qui donne des cours au sein de ce master. Donc, le responsable pédagogique, c'est moi-même. Donc, les objectifs de ce master sont différents. Donc, il y en a plusieurs objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de former une main-d'œuvre qui est spécialisée et qualifiée dont le Maroc a besoin en matière de développement des systèmes d'énergie renouvelable, mais aussi de réseaux intelligents. Deuxième objectif, c'est la maîtrise des différents aspects de conception, de production, de contrôle, de suivi, mais aussi de gestion et d'optimisation des systèmes d'énergie renouvelable et le développement de toutes les compétences en ingénierie électrique afin de faciliter l'intégration à la fois des systèmes d'énergie renouvelable, mais aussi de ce qu'on appelle l'intelligence ou la smartness, le réseau intelligent au niveau du réseau électrique. Donc, le programme de la formation de ce master, il est constitué par 18 modules qui sont distribués sur 3 semestres. Donc, au niveau du premier semestre, on a des cours de base. Donc, on a par exemple un cours qui porte sur la thermodynamique énergétique, un autre cours qui porte sur
les signaux et systèmes et instrumentation industrielle, un autre cours qui porte sur le transfert thermique et les échangeurs de chaleur, un autre cours, un autre module qui porte sur les systèmes électrotechniques, donc où les étudiants vont voir tout ce qui est monophasé, triphasé, transformateur. On a un autre module qui porte sur tout ce qui est mathématiques appliquées et méthodes numériques, et un autre cours qui porte sur la communication et les langues. Donc, au niveau du deuxième semestre, c'est un mélange de cours qui porte sur les énergies renouvelables et sur le génie électrique. Donc, on a un cours de technologie des énergies renouvelables où les étudiants vont avoir toutes les technologies en lien avec la production de l'énergie électrique à partir des systèmes photovoltaïques, mais aussi des systèmes thermiques et d'éoliennes. On a un autre module qui porte sur l'électron de puissance, donc son nom c'est convertisseur statique. Un autre cours qui porte sur les machines électriques, donc où on voit les machines à la fois alternatives et continues, donc les machines synchrones, asynchrones et machines à courant continu. Un cours qui porte sur l'automatisation industrielle. Un autre qui porte sur tout ce qui est régulation industrielle et contrôle avancé. Et un autre module qui porte sur la transition énergétique et le développement durable. Donc, au niveau de troisième semestre, on a différents cours qui portent sur tout ce qui est réseau intelligent. Donc, j'en ai par exemple le cours qui porte sur les réseaux électriques et les smart grids. Un autre cours qui porte sur la digitalisation industrielle et l'intelligence artificielle utilisée pour les smart grids. Mais on a aussi un autre cours ou un module qui porte sur l'audit et l'efficacité énergétique et le management d'énergie. Un autre qui porte sur tout ce qui est hydrogène, power to X et stockage d'énergie. Et on a un cours qui porte sur un projet, donc un projet métier qui est réalisé par les étudiants, donc pour étudier ou réaliser un système d'énergie renouvelable, mais aussi au niveau pour étudier les systèmes des réseaux intelligents. Donc, comme vous voyez, il y a un autre cours aussi, étant donné que l'université UM6P s'intéresse beaucoup à tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, on a un cours qui porte ou qui traite cette dimension, donc tout ce qui est recherche, innovation, gestion de projet et entrepreneuriat. Et bien sûr, le quatrième semestre, il est dédié pour réaliser le stage de projet de fin d'études qui peut être réalisé soit au Maroc ou à l'étranger. Donc, à la fin du cursus des étudiants, donc, nos étudiants ils peuvent acquérir différentes compétences, donc, notamment des compétences en tout ce qui concerne la conception, le dimensionnement, la réalisation, l'installation, le maintien et le suivi des systèmes d'énergie renouvelable, des compétences au niveau de la modélisation et la simulation des systèmes énergétiques, des compétences aussi au niveau tout ce qui est développement, études et optimisation des systèmes de management d'énergie, mais aussi l'analyse des propriétés de robustesse de ces systèmes, de leur fonctionnement, de leur sûreté et de leur éco-efficacité. Donc, les étudiants développent aussi des compétences au niveau de tout ce qui est ingénierie, déploiement des technologies des réseaux intelligents et aussi au niveau de tout ce qui est mesure, analyse, management des systèmes de production et le mix, le choix du meilleur mix énergétique qui peut être utilisé pour une application donnée. Donc, les étudiants développent aussi des compétences au niveau du déploiement de tout ce qui est technologie d'information et de communication qui peuvent être utilisées, que ce soit au niveau de réseaux intelligents ou au niveau des systèmes énergie renouvelable et leur intégration au niveau de réseaux électriques. Et aussi la mise en place et l'intégration de nouvelles solutions de stockage d'énergie dans les différents systèmes d'énergie renouvelable et du Power2X. Et aussi la maîtrise des différentes compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills, comme je disais tout à l'heure, donc, que ce soit au niveau de gestion de projet, de communication ou d'entrepreneuriat. Donc, au niveau du débouché, nos étudiants ils peuvent travailler à la fin de leur cursus comme des consultants experts en audit et en efficacité énergétique. Ils peuvent travailler comme des responsables de production d'énergie électrique. Ils peuvent travailler comme des chefs
de projets de management de l'énergie, des architectes des systèmes électriques, des experts en développement des systèmes de production de l'énergie, des technico-commerciaux, commerciaux aussi, ou comme des responsables environnement, qualité, sécurité. Ils peuvent aussi poursuivre leurs études doctorales s'ils le souhaitent, que ce soit ici à l'UMCSP ou ailleurs au Maroc ou à l'étranger. Donc, les partenaires qui participent avec nous dans ce master, comme je disais tout à l'heure, donc, il y a le groupe OCP, bien sûr, c'est l'incubateur de notre université. Donc, il y a aussi Erizen et le Green Energy Pack qui ont mis en place avec nous ce master et qui participent avec nous, que ce soit au niveau des ressources matérielles et humaines. Et il y a l'école polytechnique qui a donné quelques cours avec nous dans ce master. Donc, ce qui met fin à ma présentation pour ce master, donc je passe maintenant la parole à deux de nos étudiants. Donc, un étudiant, Hamza Boukhras, en M2, qui est en master M2. Et après, donc, ça sera le tour de Marwan Sarsoura, qui est un lauréat de ce master. Donc, ils vont témoigner de leur expérience au sein de ce master. À vous la parole, Hamza. Alors, merci, monsieur. Même si c'est difficile d'intervenir juste après vous, car vous avez donné, vous avez exposé les principales informations à savoir sur le master ESMA, mais je vais quand même donner mon témoignage sur ce master. Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Hamza Boukhars. Je suis étudiant en deuxième année master ESMA, ingénieur électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Alors, ce que je peux dire sur le master ESMA, c'est que c'est une formation dont le programme a été pensé intelligemment car il se marie avec les attentes actuelles du marché du travail et même les attentes futures grâce à un pilier de la formation qui est les smart grids ou les réseaux électriques intelligents. Alors, la formation ESMA fait un lien très fort entre l'aspect des réseaux électriques traditionnels et les réseaux de communication. Tout cela pour favoriser la circulation de l'information entre les fournisseurs et les consommateurs de l'énergie électrique pour optimiser et tout simplement ajuster le flux de l'électricité en temps réel. Alors, c'est pour cette raison que la formation ne donne pas juste seulement des cours en électricité et en énergie renouvelable. Il donne aussi des cours en IoT, en machine learning, en big data et aussi en blockchain. Car si je peux me permettre, la donnée est le trésor de l'avenir. Tout ça pour permettre une gestion plus efficace de l'électricité et de favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans les infrastructures électriques. Alors, la formation de ESMA est une formation pluridisciplinaire et c'était ma principale motivation pour intégrer cette formation, car elle combine à la fois entre l'aspect électrique, l'aspect énergie renouvelable et aussi les smart grids. Et mis à part ces cours techniques, j'ai eu l'occasion durant ces trois semestres d'avoir des cours sur les soft skills et aussi des cours de langue qui m'ont permis d'acquérir une structure, une rigueur de travail et aussi une méthodologie. Alors, ESMA compte un corps professoral très compétent, des professeurs venus d'universités nationales et internationales et aussi des professeurs issus de l'industrie. Alors, la chose que je trouve encore plus intéressante que la qualité dispensée dans le master ESMA, c'est que les professeurs nous aident à apprendre comment penser, analyser et aussi interpréter n'importe quelle problématique dont nous sommes confrontés. Et cela représente une notion clé et une notion très particulière qui donne la particularité de notre formation et de notre département. C'est comme une finalité qui nous aide à développer notre capacité d'apprentissage pour pousser tout simplement notre raisonnement encore plus loin que les méthodes traditionnelles et standards. C'est dans ce sens que l'UM6P représente un cadre très propice pour les étudiants, tout simplement pour développer leur mindset. Et donner une nouvelle vision aux étudiants pour réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de travail et que la formation est trop chargée, mais l'UM6P offre aux étudiants une panoplie de choix pour se divertir et s'épanouir professionnellement et personnellement, comme les clubs, tout simplement le pôle sport et aussi la bibliothèque.
Alors, quant au débouché de notre formation, après avoir obtenu le diplôme, on peut intégrer directement le monde professionnel, soit dans les industries, ou même on peut créer notre propre start-up, ou encore continuer dans la recherche. Alors, pour conclure mon intervention, j'incite tous les étudiants qui ont de l'intérêt pour les domaines d'électricité ou d'énergie renouvelable pour intégrer le master ESMA et bon courage pour les concours. Merci beaucoup. Merci, merci Hamza pour ce beau témoignage. Donc, je passe la parole à Marwan. Marwan, à toi. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Et premièrement, je vous remercie d'avoir invité à ce webinaire. Je me présente premièrement, je suis Sersoura Marwan, lauréat du Master Ingénierie électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux électriques intelligents de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et actuellement, j'occupe le poste d'ingénieur électrique et énergie renouvelable chez le groupe TSG Solutions Maroc. Et c'est grâce à ma formation ResMa qui m'a ouvert les portes pour le marché du travail et pour me lancer dans la vie professionnelle avec des compétences techniques importantes et un savoir-faire complet en matière d'ingénierie électrique orientée pour les énergies renouvelables, pour les audits énergétiques, pour les smart grids, la production, l'exploitation de l'hydrogène vert, et qui sont pratiquées par des études de cas au sein des plateformes de recherche et d'innovation telles que le GEP, le GSBP. Et la formation ResMa a pour but vraiment de former des ingénieurs qui auront la capacité à contribuer à la transition et la stratégie énergétique de notre pays, qui est focalisé sur l'efficacité énergétique, sur l'économie d'énergie, sur l'intégration des énergies renouvelables, la production et l'exploitation d'hydrogène vert. Vraiment, au sein de l'UM6P, nous avions tous les moyens qui nous ont encouragés à approfondir nos connaissances, nos compétences et qui nous ont permis d'approfondir nos connaissances et de développer nos compétences pratiques, notre savoir-faire dans des conditions de vie qui sont exemplaires au sein du campus. Et à la fin de la formation, l'étudiant ou bien le lauréat se sent très capable à que ce soit à intégrer le marché du travail, ou que ce soit à continuer son projet de recherche, sa thèse dans le cycle doctoral de l'UM6P, dans plusieurs thématiques, que ce soit dans l'architecture des réseaux électriques, les énergies renouvelables, le monitoring et le suivi de la consommation énergétique, l'hydrogène vert. Et enfin, un conseil que je veux passer au futur étudiants au sein du master ResMa et pour les intéresser par la formation ResMa, je veux leur dire que c'est la formation adéquate pour pouvoir développer vos compétences, pour pouvoir réaliser vos rêves. Et voilà, donc mon intervention arrive à sa fin et je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci, merci Marwan pour ce beau témoignage et bon courage et bonne continuation dans ta vie professionnelle. Merci beaucoup. Merci Hamza aussi. Donc, on passe maintenant à la présentation du Master Tiouf, donc qui va être présenté par le professeur Khalid Kouis. Khalid. Oui, merci. Je suis Khalid Kouis, je suis donc le responsable de ce Master Tiouf, qui veut dire Technologie industrielle de l'usine du futur. Donc, c'est un master qui a été créé en même temps que le master ResMa. Si Ahmed a déjà donné pas mal d'informations sur ce master, je vais aller un petit peu plus vite, du coup, pour donner un petit peu les grandes lignes. Le master, il a pour objectif d'aider
l'industrie marocaine à se digitaliser. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la digitalisation, elle est de plus en plus présente dans notre vie de tous les jours. Notre administration se digitalise, notre transport se digitalise, la manière par laquelle on va à l'hôpital, il y a de plus en plus de digitalisation. Donc, les entreprises aussi, pour devenir plus compétitives, elles ont besoin aussi de transformer leur outil de production, leur manière de gérer leurs commandes, de faire la relation avec leurs fournisseurs, leurs clients, etc. Tout a besoin de se digitaliser. Et du coup, l'objectif de ce master est de former des ingénieurs, des techniciens qui sont là pour d'abord maîtriser les différentes technologies nécessaires à la digitalisation de l'outil de production et de participer dans les différents projets, que ce soit des côtés des donneurs d'ordre, des côtés des fournisseurs de matériel ou des côtés des fournisseurs d'intégrateurs de solutions support. Qu'est-ce qu'on entend par technologie qui sert pour la production? Donc, on pense à l'automatisation, à la robotisation, à l'utilisation de l'informatique et la puissance de calcul, que ce soit algorithmique ou intelligence artificielle, à l'Internet des objets, au réseau. Donc, toutes ces technologies nécessaires à la digitalisation de l'outil de production sont les technologies qui sont enseignées dans ce master. On passe au slide suivant, c'est Ahmed. Donc, du coup, ce master, il est sur 2 ans, donc il est organisé en 4 semestres. Dans chaque semestre, il y a 300 heures de formation qui sont séparées sur 6 modules. Dans le semestre 1, ce sont des modules plutôt fondamentaux. Normalement, les étudiants qui viennent chez nous sont issus de licences. Nous recrutons des étudiants issus de licences mécaniques, électromécaniques, génie électrique ou même génie industriel. Donc, déjà, ils ont déjà un background, un certain nombre de connaissances, mais là, on va consolider les connaissances dont ils ont le plus besoin pour aller travailler sur ces projets de digitalisation. Donc, du coup, on va trouver dans le semestre 1 des cours sur la modélisation de la simulation des systèmes, que ce soit des systèmes continus ou systèmes discrets, tout simplement parce que les industries cibles pour nous, ce sont aussi bien des industries du process que des industries des process comme des industries chimiques ou des industries minières ou des industries discrètes comme l'automobile, l'aéronautique ou l'ameublement, l'électronique, etc. On va trouver un module sur tout ce qui est outils d'optimisation, d'analyse multicritère. Donc, c'est tout simplement l'utilisation de l'outil mathématique et l'outil informatique pour pouvoir optimiser les systèmes. On a un cours sur les statistiques, une partie extrêmement importante dans les processus industriels. On a un cours sur l'algorithmique pour venir consolider les compétences des élèves sur tout ce qui est développement de programmes et programmation. Et bien sûr, on a un cours sur la partie langue. Au deuxième semestre, on commence déjà à travailler sur des modules orientés vers les métiers de la digitalisation. Donc, on va trouver l'utilisation des outils numériques pour la modélisation. Donc, c'est un module qui est dans le prolongement du module sur la modélisation. On va trouver un module sur l'automatique, un module sur la communication, les réseaux industriels et l'Internet des objets, un module sur la partie automatisme. Et bien sûr, on ouvre aussi l'esprit de nos étudiants sur les compétences de gestion. Et c'est pour cela qu'il y a un cours sur la gestion industrielle et un cours sur la partie hygiène, qualité, sécurité, environnement, qui est essentiel de développer des systèmes conformément aux différentes réglementations et lois qui gèrent un petit peu nos industries. Au deuxième année, donc on a le semestre 3. Là, on va avoir des modules encore plus haut niveau. Donc, on a des outils surtout sur la partie développement des systèmes de pilotage et d'intégration. Donc là, c'est principalement des systèmes informatiques. C'est dans le cœur de la digitalisation. C'est comment récupérer les données, comment les consolider afin d'aider à la prise de décision. Donc, bien sûr, ce module, il va
utiliser un certain nombre de modules qui ont été utilisés, qui ont été vus dans les deux semestres précédents. On a un module sur tout ce qui est informatique temps réel et système embarqué, un module sur l'intelligence artificielle et cloud computing, un module sur la robotique et un module sur la vision industrielle et les outils de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Donc, toutes ces technologies qui sont de plus en plus utilisées dans l'industrie. Maintenant, on parle d'amener du virtuel dans le réel au niveau industriel pour aider les utilisateurs à appréhender les systèmes et leur complexité et aussi de les aider à prendre les bonnes décisions. Et on a un dernier module qui est un module d'ouverture sur la recherche et l'innovation. Le quatrième semestre, quant à lui, il est consacré complètement à un stage de fin d'études qui prend tout le semestre et donc qui est forcément réalisé dans un environnement socio-professionnel, donc dans une entreprise, avec une mission précise sur 4 mois, 6 mois. La durée du stage va de 4 à 6 mois. Donc, les modules qui ont été définis pour ce master, ils visent à faire acquérir des compétences nécessaires pour que nos étudiants, une fois lauréats, puissent être intégrés efficacement dans les projets industriels. Donc, il y a d'abord des compétences méthodologiques. Pourquoi ? Parce que les projets dans lesquels ils vont être impliqués, ce sont des projets relativement complexes. Donc là, il faut avoir des outils pour appréhender cette complexité. Il faut qu'ils maîtrisent un petit peu toutes les technologies, comme je l'ai dit. Il faut qu'ils soient capables aussi de passer de la réalité au modèle et du modèle à la réalité. Pourquoi ? Parce que la modélisation est une étape de plus en plus nécessaire pour pouvoir d'abord comprendre les systèmes complexes et aussi pour pouvoir imaginer des solutions, les tester sur ces modèles avant de les tester vraiment sur le réel. Et donc, l'ouverture vers la modélisation est tout à fait importante dans la formation de nos étudiants. Et on a aussi des compétences pour pouvoir créer des systèmes qui sont réellement déployables dans l'industrie. On ne déploie un système dans l'industrie que s'il arrive à un certain niveau de robustesse. Et donc, il faut bien sûr maîtriser les outils, maîtriser les technologies, mais il faut aussi être conscient que les outils, s'ils n'ont pas un certain niveau de robustesse ou de certains fonctionnements, ils ne sont pas déployables dans l'industrie. Et c'est cette culture aussi qu'on veut amener dans le cadre de cette formation. Donc, c'est à peu près les idées qu'il y a derrière ces compétences qu'on a cherché à faire acquérir à nos étudiants. Donc, une fois lauréats, nos étudiants, ils peuvent trouver des opportunités d'emploi dans différents secteurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent aussi bien être chez les clients finaux, c'est-à-dire toutes les industries qui produisent les choses ou les biens que nous consommons, les biens de production, donc aussi bien l'industrie minière, l'industrie de la chimie, l'industrie de l'automobile, de l'aéronautique, l'industrie textile, l'industrie de l'électronique, donc toutes ces industries qui créent un petit peu tous les objets que nous utilisons. Ils peuvent aussi être intégrés dans les équipes des fournisseurs de solutions, donc chez les fournisseurs de solutions d'automatisme, chez les fournisseurs de solutions de commandes, des matériaux. Mais ils peuvent aussi, et c'est aussi un secteur très demandeur d'emploi, chez toutes ces sociétés qui aident les clients finaux à déployer leur projet, et donc qu'on appelle société de service ou de société d'ingénierie ou des bureaux d'études qui sont là pour travailler sur les projets, pour déployer les solutions industrielles de digitalisation. Et donc la digitalisation, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est partout dans notre vie, mais elle est aussi sous différentes formes quand elle s'agit
de projets industriels. Donc, ça peut être aussi des projets pour les ressources humaines, ça peut être bien sûr des projets pour la production, ça peut être des projets pour l'ingénierie, pour la conception, ça peut être aussi des projets pour la maintenance, ça peut être des projets pour l'optimisation. Donc, il y a une très, très grande diversité dans les métiers auxquels des ingénieurs issus de cette formation auxquels ils peuvent accéder. Et nous avons déjà deux promotions qui sont sorties et nous avons pu nous rendre compte que même au niveau du Maroc, il y a finalement des opportunités d'emploi. D'emploi, c'est assez diversifié dans les différents secteurs dont j'ai parlé. Voilà, donc c'est la présentation du master. Il reste un dernier slide. Donc les partenaires sont à peu près ceux qu'a présenté Sermet tout à l'heure. Donc on a des partenaires industriels, alors peut-être il y a le groupe OCP, mais on a aussi des partenaires académiques avec lesquels nous travaillons pour déployer les différents cours. Les cours sont dispensés par des professeurs issus bien sûr de l'IM6P, mais aussi issus aussi de plusieurs universités marocaines ou étrangères. Et dans ce slide, on voit les différents partenaires dont les professeurs participent à cette formation. Alors, sur les conditions d'accès, peut-être que je te laisse, Ahmed, les présenter. Où je les présente. Bon, je vais les présenter rapidement. Donc, que ce soit pour le Master TUF ou le Master ESMA, nous recrutons, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des licences. Alors, bien sûr, pour le Master ESMA, donc, on peut recruter au niveau des licences électrotechniques, électroniques, automatiques, énergétiques, génie électrique, énergie renouvelable, génie industriel ou même des licences des sciences de l'ingénieur et des mathématiques appliquées. Au niveau de TUF, nous recrutons auprès de ces mêmes licences, mais nous ajoutons aussi des licences de génie mécanique ou du génie électromécanique. Et nous pouvons aussi même recruter au niveau du génie informatique ou des licences de mathématiques appliquées. La formation se déroule sur deux ans, comme je l'ai présenté. Dans les deux masters, que ce soit le master ESMA ou le master TUF, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de personnel, donc nous nous limitons nos effectifs à une vingtaine d'étudiants. La formation se déroule en présentiel, donc nous n'acceptons pas des dossiers ou des candidatures de personnes qui sont déjà en activité. Ça nous arrive d'avoir ce genre de candidature, mais nous avons vraiment une formation présentielle à plein temps, donc il faut que les gens soient complètement consacrés à cette formation. Les formations se déroulent principalement en français, mais accessoirement, il peut y avoir certains cours dispensés en anglais. Et puis le concours d'entrée, donc il comporte une partie écrite dans lesquelles nous testons des connaissances métiers, c'est-à-dire dans les domaines automatiques, électriques, mécaniques, mais nous testons aussi des niveaux de français ou des niveaux de mathématiques. Et puis, pour ceux qui ont passé la barre de ce concours écrit, nous organisons un oral qui est un entretien pour appréhender la motivation et de comprendre le projet professionnel que les candidats ont dans leur tête. Et sur cette base, nous constituons la future promotion d'une vingtaine de personnes, que ce soit dans le Master ESMA ou le Master TUF. Voilà pour la présentation du Master TUF et aussi pour les conditions d'admission pour les deux masters. Alors, pour candidater, donc il y a un portail unique sur lequel vous pouvez vous connecter, qui est http://myum6p.ma. Donc ça, c'est pour déposer votre dossier. Quant aux questions que vous pouvez avoir
ou si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi envoyer sur les deux adresses email indiquées, donc master.resma pour Resma et master.tuf pour Tuf. Pour, comme on l'a fait pour le master Resma, nous avons aussi deux témoignages. Un d'une étudiante actuelle en master MA, Safa, et puis un de Nouhaïla qui est sorti de notre master l'année dernière, Nouhaïla. On va commencer par Safa. C'est à vous la parole. Donc, bonjour monsieur, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Alors je me présente, Nasseli Safa, et je suis actuellement étudiante en première année de master en technologie industrielle des usines de futur. Donc avant de commencer, je tiens à remercier mes responsables de département Green Tech Institute pour leurs interventions qui ont été très riches lors de ce webinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre programme master qui est particulièrement axé sur la digitalisation et les concepts de l'usine de futur, qui sont des sujets clés pour l'industrie 4.0, qui est l'évolution de l'industrie vers l'utilisation des technologies avancées. Donc en tant qu'étudiante en ce programme, qui est concentré sur l'application de ces technologies qui ont pour but d'améliorer les processus industriels et augmenter l'efficacité et la productivité des usines, je vais vous décrire les fondamentaux de notre formation. Donc cette formation qui vise à former des futurs ingénieurs qui maîtrisent les outils des technologies avancées, comme j'ai déjà mentionné, tels que l'automatisme, l'automatique, la robotisation, la digitalisation et surtout les compétences nécessaires pour faire de la modélisation qui est le processus de création d'un modèle mathématique d'un système industriel et aussi la simulation qui est le processus de création d'un modèle numérique d'un processus industriel. Ainsi que d'autres concepts tels que l'intelligence artificielle, la visualisation, la réalité virtuelle et augmentée. Je sais bien que notre programme il apparaît un peu chargé. Il est aussi pluridisciplinaire, mais je vous promets que vous n'allez jamais regretter d'y être parmi les étudiants de ce master. Donc, je viens tout juste de terminer le premier semestre de notre programme. Et je peux vous dire que c'était une expérience très enrichissante. Nous avons étudié les concepts de base de la statistique, un peu de recherche opérationnelle, qui est un domaine de l'analyse des données qui permet de résoudre des problèmes de planification et de décision en utilisant des méthodes mathématiques. On a aussi appris des différents langages de programmation tels que Java et Python, qui sont utilisés pour développer des logiciels pour les systèmes industriels. Nous avons également exploré les bases de l'ingénieur et des systèmes. Efficace et efficace. Safa, je pense qu'il y a un problème de connexion. Ils ont des techniques avancées. Trois ans, les fonds de système ancrés. Et maintenant, vous m'entendez? Oui, là, ça va mieux. Ça, c'est revenu, oui. Et d'accord, je répète. Je ne sais pas où la connexion est. Là, on a pratiquement tout entendu. Non, ça s'est coupé à la fin, mais on a pratiquement tout entendu. D'accord. En intégrant notre master, les étudiants auront l'occasion de se perfectionner dans les concepts fondamentaux de l'ingénierie de système et aussi d'appliquer ces compétences à des projets concrets comme on a fait avec M. Khalid Kouis. Donc, il serait impossible de parler de notre programme sans aborder le concept clé de la collecte et du traitement de données qu'on va avoir dans les semestres qui suivent, qui jouent un rôle crucial dans l'amélioration des performances des systèmes industriels en utilisant le concept de l'IoT, l'Internet des objets connectés.
Il est important aussi de souligner que notre programme met un accent particulier sur les compétences en langue. C'est pourquoi les cours de langue sont intégrés. On a des cours de français et d'anglais. Notre programme offre également des opportunités de pratique pour les étudiants dans les ateliers et les laboratoires qu'on a à l'UM6P, comme on appelle le concept « Learning by Doing ». Et vous pouvez visiter nos pages sur les différents réseaux sociaux pour avoir une idée plus précise sur les laboratoires et aussi tous les laboratoires qui sont présents à l'UM6P qu'on a accès. Et donc, je viens de terminer mon intervention et vous dire que notre programme master est rempli des défis stimulants et de possibilités passionnantes. Et j'ai hâte de voir les étudiants qui postuleront pour nous rejoindre et de les aider à réaliser leur potentiel. Donc, je vous remercie et je passe ma parole à Nouheïla, notre lauréate. Merci, ça va. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie tout d'abord M. Kouis pour sa présentation. Aussi, je remercie Safa pour son intervention et les détails que vous avez abordés. Donc, je ne vais pas dire plus. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Agni Nouheïla, lauréate du Master Technologie Industrielle pour l'Usine du Futur, promotion 2022. C'est bien la deuxième promotion. Et actuellement, j'occupe un poste ingénieur logiciel embarqué chez Capgemini à Casablanca, dans le département de Intelligent System. Donc après ma licence en mécatronique, j'ai pu intégrer le master technologie industrielle pour l'usine de futur. Et c'était mon premier pas vers une carrière futuriste. Et je suis vraiment très contente d'avoir la chance qui m'a permis d'élargir un peu ma vision. Et aussi, la formation vise à former les cadres dans des différentes spécialités industrielles mentionnées dans la présentation, notamment la digitalisation et l'industrie 4.0. Durant la formation, j'ai pu enrichir et booster mes compétences dans ces domaines, qui est en relation avec les technologies industrielles avancées. Et de plus, ce qui a fait la particularité de notre master, je citerai la polyvalence des profils des étudiants. Nous étions un mélange de compétences en mathématiques, informatique, mécanique, mécatronique. Et ça nous a permis de partager entre nous ces connaissances avec, bien sûr, l'aide du corps professoral, que je remercie énormément. Ça nous a permis de travailler tous ensemble pour réussir. Pendant la formation, j'ai essayé quand même d'intégrer la communauté de l'université en totalité, en participant dans les différentes activités para-universitaires. Donc, il y a une diversité de clubs dont vous pouvez participer et intégrer dès votre premier jour. Et je crois que c'est très nécessaire pour le développement des compétences personnelles, intrapersonnelles. C'est très intéressant, comme le développement professionnel et académique. Et d'après mon expérience personnelle, je vois que c'est nécessaire et très utile pour améliorer la communication, pour agrandir votre réseau. Et ça va vous aider dans la recherche du stage PFE, par exemple, dans la recherche d'emploi. Et donc, en résumé, je peux dire que les prérequis de la formation, ils sont très appréciés dans le marché du travail, d'après mon expérience et l'expérience de mes camarades dans plusieurs entreprises. Donc, je vous remercie énormément et je termine mon témoignage. Merci beaucoup. Bon, merci Safa, merci Nouheïla. Ça termine la présentation de ce Master TUF. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire avec Stéphane. Oui, merci. Merci à Sir Khalid, merci Nouheïla, merci Safa. Je ne sais pas s'il y a des questions, Yacine. Oui.
comme ça a été présenté tout à l'heure avec Cheikh Khalid, donc il y a différentes licences qui peuvent passer les deux concours, soit Resma, soit TIUF. Et après, donc, s'ils réussissent les deux concours, donc après, ils devront faire un choix pour le master qui va être poursuivi par ses étudiants. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'insiste pour l'inscription à nos deux masters, donc d'utiliser la plateforme qui est dans cette adresse web, donc http://my.umc6.ma. Et pour nous contacter, n'hésitez pas donc à utiliser les deux adresses courriel que vous avez ici, donc masterresma@umc6.ma et mastertiouf. Donc, je remercie tous les panélistes, donc Cheikh Khalid, Hamza, Marwan, Safa et Nouaïla, de votre participation à ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, chez nous, au niveau du concours, pour les étudiants qui vont être sélectionnés pour passer le concours d'accès au Master Resma Etiouf. Merci pour votre attention et au revoir. Merci, au revoir.